Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez superbement bien. Désolé, désolé, désolé si la voix n'est pas trop forte. Comme vous, je suis très choqué de ce que vous savez. Dieu merci, les nouvelles qui nous parviennent sont très bonnes. Et bien avant de poursuivre la vidéo, je tenais vraiment à vous exhorter à rester toujours en union de prière pour notre artiste DJ Rafat, un artiste ivoirien, une légende vivante. Mais, ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais d'abord essayer de vous expliquer comment l'accident est survenu, selon les informations qui me sont parvenues, et faire une réaction qui consistera à pointer du doigt certaines personnes. Voilà, je ne vais pas citer de nom, mais je vous prie de regarder la vidéo dans son intégralité pour comprendre bien le but de ma vidéo. Voilà, si vous avez bien remarqué, ça fait un bon bout de temps que je ne fais pas trop de vidéos comme ça, c'est parce que je suis très occupé pour des raisons bien personnelles, mais je pense que c'est dans ce genre de circonstances-là, mon style de vidéo à moi. Et la bienvenue. Voilà, donc restez connectés et on se prend juste après le générique, les amis. Il en fait pour nous, on le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est progrès, progrès à la base. Je possède à des firmes. Bon retour, les gars, bon retour. En tout cas, je vous exhorte encore à rester en union de prière pour notre Daïchi Khan. Bien que les nouvelles qui nous parviennent sont très bonnes, je souhaiterais qu'on prie vraiment, 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 qu'on ait une petite pensée de prière pour DJ Rafat. Voilà. Mais avant que je commence à fustiger ou à m'adresser à qui de droit, j'avais bien voulu vous expliquer comment les choses se sont passées selon mes informations. Voilà. On dira 23h, 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 23h10, 15 par là, je me réveille parce que j'ai dormi très tôt la nuit d'hier. Comme quoi, pour aller faire un peu pipi et venir me recoucher. Comme d'habitude, puisque je suis blogueur, je suis toujours à la recherche d'informations. Et je prends toujours. Je m'assure toujours à avoir des informations, même quand je me réveille au milieu de la nuit. C'est ainsi que je tombe sur une information comme quoi. Prions pour DJ Rafat. Donc je ne comprends pas. Je défile, défile, défile. Et il savait que DJ Rafat a fait un accident à Angré, précisément à la 7e tranche. Sur le boulevard, si vous voulez. Donc, qu'est-ce que je fais? Puisque j'ai des connaissances dans le rayon, je contacte toutes ces connaissances-là pour leur demander est-ce qu'ils sont au courant un peu de la nouvelle. Et Dieu merci, j'ai une d'elles qui était sur les lieux, qui a assisté et qu'on va dire directement même à cette tragédie-là. Dieu merci, qui est en train de s'arranger et qui va m'expliquer comme suit. En fait, DJ Rafat venait d'une petite soirée un peu arrosée parce que vous savez que hier c'était la Tabaski et un peu fatigué, selon ce que les gens me disent, il paraît que c'est son ses potes, un de ses potes qui lui a demandé de faire un peu plaisir à moto, chose que DJ Rafat sait faire parce qu'il sait très bien conduire la moto. Mais malheureusement, avant de vouloir faire ce plaisir-là, il n'avait pas ses protections, c'est-à-dire le casque, ses couvre-coude, couvre-genoux, en tout cas ses protège-genoux, tout ce que vous voulez, il n'avait pas ça. Et étant fatigué, comme DJ Rafat, vous le connaissez, aime bien faire plaisir à son entourage, surtout à ses amis, parce qu'il ne s'est pas dit non. Il va vouloir se lancer dans cette histoire de faire plaisir à moto pour ses potes ou bien pour les beaux yeux même de la foule. Donc, faisant son plaisir par inattention, le temps de se rendre compte qu'il y avait un véhicule, des choses qui étaient devant lui, le temps de vouloir éviter le véhicule, le mec, il a percuté le derrière du véhicule, je crois, c'était une voiture grise, selon les informations qui me sont parvenues. Et la voiture n'a pas eu grand chose bizarrement, juste peut-être une bosse par derrière, mais c'est DJ Rafat et sa moto qui ont pris le gros choc. Voilà, il a été très projecté, vraiment vraiment projeté, et puis vous imaginez un choc sur le goudron, ça fait quand même peur, ça fait quand même froid au dos. Voilà, c'est un peu ça grosso modo qui s'est passé. Et malheureusement, quand ça s'est passé, ses amis et toute la foule se sont rués sur lui pour voir un peu qu'est-ce qu'il en était, mais il était inerte. C'est-à-dire qu'il ne bougeait pas, il avait perdu connaissance. Voilà. Et ça commençait à affoler tout le monde. Et la première réaction de tout le monde, chacun a commencé à contacter les urgences. Mais malheureusement, j'ai dit bien malheureusement, je pèse vraiment vraiment mes mots. C'était vraiment difficile de les avoir. On dira que c'est parce qu'ils sont occupés ou bien c'est parce que c'est l'Afrique qui est comme ça. Mais bref, ça c'est une parenthèse. Donc c'est un peu ça, résumé, ce qui s'est passé selon mes sources d'information. Cependant, j'ai bien envie de m'adresser à un groupe de personnes. D'abord, je vais m'adresser aux amis et proches de DJ Rafat, à son staff. Je vais parler aussi aux fans de DJ Rafat. Je vais parler aussi aux personnes qui détestent DJ Rafat. Et faire un clin d'œil aussi à notre chaleureux gouvernement. Voilà, pour ces cas d'urgence-là. C'est très bon.
Mais avant de commencer la vidéo, sachez que je vais faire exclusivement une vidéo pour m'adresser directement à Didier Arafat. Ça sera une vidéo conseil parce que j'ai plusieurs fois fait ce que vous m'avez demandé, mais ça n'a rien donné. Et voilà le résultat. Nous en sommes peinés, mais Dieu merci, comme nous savons que c'est quelqu'un qui est très béni, c'est quelqu'un qui dont la main de Dieu est sur lui et qui a la main de Dieu sur lui, je pense qu'il va s'en sortir. Ça, je ne crains pas parce que moi-même actuellement, je suis en mode prière. Voilà, j'ai pas fermé l'œil de toute la nuit d'hier. Parce que j'étais vraiment, vraiment inquiet quand on me dit la situation était très grave. Et puis selon ce qu'on m'a raconté, ça fait vraiment, vraiment, vraiment peur. Mais Dieu merci, ça va. Donc, je vous préviens, je vais laisser l'actrice se rétablir, qu'il sera au meilleur de sa forme. Et Ripor que je suis, je ferai une vidéo exclusive pour lui envoyer un message. J'espère que le message sera bien passé et il va comprendre ce que je veux lui dire. Cependant, je m'adresse maintenant à son staff. Bon, je ne sais pas quel genre de relation vous avez avec votre ami Didier Arafat, au point de lui demander, dans son état de sobriété, non, non, je ne dirais pas, dans son état un peu fatigué, c'est-à-dire comme il a bu un peu, de lui demander de faire un plaisir à moto, c'est-à-dire cabré ou bien je ne sais pas quoi, ce que vous voulez en moto. Est-ce que vous aimez vraiment votre ami? Est-ce que vous aimez vraiment votre artiste? Parce que c'est dans ce genre de situation-là que soit un ami sort devant Didier Arafat pour dire: bon, Mac, tu es fatigué. Nous, on ne veut pas te voir faire cette bêtise-là parce que tu es fatigué. Même s'il va se fâcher, au moins deux ou trois personnes seront intervenues pour l'empêcher de faire ça. Mais je parie à 1000%, connaissant bien l'entourage de Didier Arafat, et comme beaucoup ont peur de lui dire ce qu'il doit entendre pour sa survie et pour sa vie, même pour sa carrière, les gens l'ont laissé faire parce qu'ils se disent quoi, bon, c'est Didier Arafat, il met sous ton truc, il n'y a pas le feu. C'est cette petite négligence-là qui a créé ce que vous voyez aujourd'hui. Ça devrait vous interpeller. Souvent, ayez le courage de taper le poing sur la table pour dire: Didier Arafat, tu ne fais pas. Voilà, si tu veux, quand tu es dessoudé, dis que nous ne sommes plus amis, ou bien ce soir que je ne suis plus ton manager, ou bien je ne fais plus partie de ton staff managérial, mais tu ne le feras pas parce qu'actuellement tu es fatigué. C'est ça aussi, quelqu'un dit qui aime son ami. C'est ça aussi, quelqu'un aussi, on dit qui aime truc son artiste. Il y a une petite négligence. Et ça, je ne suis pas d'accord pour ça. Je n'ai pas envie de dire que c'est vous qui l'avez amené à faire ça, mais vous l'avez toléré. Voilà, parce que ce que les gens nous disent, on nous dit que c'est des amis ou un de ses amis qui a demandé qu'il fasse plaisir. Avant de continuer même mes propos, sachez que Didier Arafat ne va jamais laisser cette histoire de moto, même quand il va sur le truc, oh, revenir de ce grave accident-là. Il va jamais laisser, parce que la moto, il adore. Il adore même les motos que les voitures. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Quand il a commencé à devenir star, la première chose qu'il a achetée, c'était une moto, avant même de s'acheter une voiture. Donc, tout ce qu'on peut demander à Didier Arafat, c'est d'abord, un, de porter des protèges et des casques, un casque en tout cas, de se protéger quand il veut rouler à moto et d'éviter ces histoires de faire plaisir à moto. Voilà. Tout le monde sait que tu maîtrises bien la moto, tout le monde sait que tu maîtrises ton truc. Donc, tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Toi, tu es une super méga star. Voilà. Il y a des personnes qui prient jour et nuit te voir vieillir dans ta carrière musicale parce qu'ils veulent t'entendre toujours chanter, ils veulent te voir toujours les faire danser. Bref. Je garde la suite pour la vidéo dont je vous ai parlé en début de vidéo. Et vous voyez les amis, pour ce côté-là, je suis vraiment, vraiment pas content du staff de Didier Arafat. Je ne suis pas content de truc de ses amis. Parce que un vrai ami, il empêche toujours de faire des bêtises. Au mépris même de sa relation amicale avec son ami. Et là, je suis vraiment, vraiment pas d'accord. C'est déplorable que cela soit arrivé par cette négligence-là. Mais il ne faut plus que cela se répète. Maintenant, si vous l'avez fait exprès, c'est votre conscience avec Dieu. Mais moi, je vous dis simplement que j'ai mon mot à dire parce que c'est une négligence qui ne devait pas être. Voilà. Si Didier Arafat avait toute sa tête, je pense que même s'il voulait faire plaisir, il allait quand même éviter ça. Voilà. Parce que quand tu es un peu fatigué, il y a des réflexes que tu perds. Et c'est ce qui est arrivé. C'est un petit moment d'inattention de moins d'une seconde qui a créé ce chaos-là. Mais Dieu merci, comme je vous ai dit, il est en train de se remettre. Et comme c'est un lion, il va se remettre. Le deuxième groupe de fans, ce sont les fans de Didier Arafat. Pourquoi je m'adresse aux fans de Didier Arafat? Pas tous les fans, bien sûr. Je parle des extrémistes. Voilà. Quand je parle des extrémistes, c'est des personnes qui sont toujours là à voir le mal partout, à insulter tout le monde à tout bout de champ. Il y a eu des personnes qui sont sorties dans un élan de soutien parce que, Dieu merci, à l'agréable surprise, tout le monde était dans un élan de solidarité autour de l'accident de Didier Arafat. Tels que Serretier, Serge Beno, Jules Bécaud, Souleymane Kamagaté, Ariel Chiné, plein, 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 plein de personnes, même les humoristes,
Beaucoup de personnes, même Héritor, le jeune Héritor que notre fier Didier Arafat a menacé une fois. Je peux tout souhaiter à Didier Arafat, sauf la maladie, sauf la mort. Non, 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 non. Parce que je n'ai jamais eu de mauvaise pensée pour ce dernier-là. Voilà. Je fais cette vidéo avec beaucoup de tristesse, mais il faut déjà, comme on dit, il faut pas le faire quand il est chaud. Faut pas le laisser passer. Et puis, comme quoi, on va me dire que je profite de l'occasion. J'ai jamais eu besoin d'un accident avec Didier Arafat pour parler de lui. Si je parle de lui, écoutez les propos que je dis et n'interprétez pas comme vous voulez. Voilà. Mais généralement, pour des personnes qui étaient en discorde avec Didier Arafat, tels que Serge Beno, peut-être Jules Beco, Ariel Chiné surtout, j'ai vu et lu des commentaires désagréables. Je comprends même pas pourquoi les gens sont aussi comme ça. Je n'ai jamais compris ça. Vous, ce petit groupe de fans de Didier Arafat, qui vous sentez tellement super fan, qui pensez que c'est en insultant, c'est en rabouant, c'est en interprétant toujours de manière négative le bon élan de certaines personnes que vous aimez votre artiste, vous vous leurrez. C'est toute cette onde négative-là qui crée ces résultats comme l'accident de Didier Arafat. Il faut que ça cesse. Il aura peut-être peu de personnes comme vous pour venir vous dire ce genre de vérité-là, mais il faut que ça cesse. Vous êtes ses fans. Tous vos mauvais actes-là. L'artiste prend ça sur lui. Dans le narcuel. Vous ne comprenez pas un peu comment la vie fonctionne. C'est pourquoi vous restez toujours dans votre bêtise, en fait. Ariel Chiné est en train de dire qu'il aime Didier Arafat. Et c'est une réalité. Il peut avoir des paroles entre deux personnes. Mais ça ne veut pas dire que je suis en train de détester mon ami, mais que je ne l'aime pas. Je suis désolé. Sortez un peu de cette mentalité-là, ou bien. Vous qui justifiez tout là, arrêtez un peu. Ça fait chier, sérieusement. Je ne veux pas concevoir qu'il y a des personnes, même si nous ne sommes pas vos parents, qui essaient de vous expliquer qu'il faut arrêter ça. Ça ne sert à rien. Ça ne va rien servir à quelqu'un. Ça ne va rien faire en fait. Si ce n'est que détruire votre artiste, détruire la musique ivoirienne. Tu peux être mon ennemi, mais quand tu me dis Yako, même si je sais que tu es mon ennemi, ma première intention, c'est de dire merci. Je ne cherche même pas à savoir si tu es hypocrite, mais si tu es sincère. Au moins, c'est ton merci ou bien c'est ton Yahoo que je regarde d'abord. C'est quoi cette publication hypocrite? On n'a pas besoin de vous. C'est ce que vous attendez depuis. Vous êtes dans le cœur, vous êtes dans les pensées. Il faut arrêter ça, les amis. Faites un effort sur vous. C'est pas intéressant comme ça. Actuellement, là, on ne doit même pas avoir de discorde autour de ce choc. On doit chercher à prier, à être autour de l'artiste. En fait, qu'ils s'en remettent. Et puis après, on fait nos palabres comme d'habitude. Moi, je dis toujours, notre palabre doit être purement musical. Mais quand on parle d'accident, essayez d'être un peu humain. Maintenant, ces personnes-là qui décèdent Didier Arafat, c'est-à-dire, si Didier Arafat se tient bas dans la tête, Dieu merci pour eux. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que vous le voulez ou pas, ce que Didier Arafat a écrit de son histoire. D'abord, un, vous-même, vous n'allez jamais pouvoir écrire ça. Deux, peut-être un de votre membre de famille ne pourra jamais écrire ça. Trois, ceux pour qui vous détestez Didier Arafat là, ne pourront peut-être jamais réaliser ça de la vie. C'est une légende vivante. Quand on prononce cette petite phrase-là, ça vous fait mal, mais c'est la simple et pure réalité, c'est la vérité. Déteste-le. Mais moi, tout ce que je vous demande, quand il y a ce genre de situation, comme des accidents là, il faut faire pause, le dire, Didier Arafat va nous quitter. Hein. Bah, si tu nous quittes, on va t'attacher comment? C'est ça, on dit, tu détestes quelqu'un, mais c'est toujours amical en fait. Mais vous, ah, il a bien cherché. C'est pas lui-même qui veut tuer ses camarades, c'est pas lui-même qui dit qu'il va les tuer. Son morceau était purement musical, il dit qu'il veut les tuer musicalement. Et ça, il y a longtemps, il lui dit. Ça n'a jamais dérangé personne, bien au contraire, mais ça a fait propulser beaucoup de ses collègues. Il faut arrêter un peu. Ça peut vous arriver à vous, à votre chose, un truc, à votre parent, et même peut-être à votre artiste, votre idole. Il faut arrêter. C'est vous, vous n'avez plus de limites, quoi. On parle d'arrestation d'artiste, vous êtes heureux. On parle d'emprisonnement, vous êtes heureux. On parlait même d'accident aussi, vous êtes heureux. Attends, vous êtes des enfants du diable? Je ne pense pas. Il faut se ressaisir un moment. Arrêtez ça, les amis. Arrêtez ça. Ok. Maintenant, à l'état de Côte d'Ivoire. Bon, moi, je n'ai rien contre votre gestion du pouvoir, hein. Mes tontons, mes papas, mes tantes. Mais au niveau des urgences, là, je ne sais pas trouver une formule. Parce que dans d'autres états, dans d'autres pays, ça ne dure pas comme ça. On peut passer près d'une heure à essayer de vous joindre sans pouvoir avoir quelqu'un au bout du fil. C'est difficile, ça. Hein?
Essayez de voir ça, s'il vous plaît. Essayez de voir ça. C'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que mon message est passé. Et puis, prends l'établissement à la Tizi Jarafat. On est avec toi. Et comme on sait que tu es un lion, tu vas t'en sortir. Tous ceux qui souhaitent ta mort risquent de partir avant toi. Parce que tu es un enfant béni. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Mais j'attends que tu te rétablisses pour te parler aussi. Que Dieu vous bénisse. C'était Eriton. Ciao, ciao.